Bonjour, je m'appelle Julien Mahé, j'ai 34 ans, je suis entraîneur professionnel de l'équipe du BCM Gravelines Dunkerque en Pro A. Ça fait maintenant bientôt 10 ans que je suis dans le milieu du basket pro. J'ai d'abord travaillé au club de Dijon sur des postes d'entraîneur de centre de formation et d'entraîneur adjoint. Et là, je débute ma cinquième saison au club de Gravelines et c'est ma première saison en tant que coach principal. Alors pour jouer à Gravelines, il faut vraiment avoir des qualités humaines parce qu'on joue dans une région et dans une ville où il y a de grandes valeurs de travail, d'humanité, de collectif. Je pense que c'est assez récurrent dans la région du Nord et on a besoin d'avoir des joueurs et des garçons qui sont capables de s'adapter à cela. Ensuite, on aime bien avoir des garçons qui ont les pieds sur terre et qui sont capables de s'adapter à la vraie vie et pas seulement à ce qui se passe sur le terrain de basket, mais également en dehors. Je pense que dans le monde de l'entreprise, comme dans le monde du sport, il faut avoir les pieds sur terre et une capacité à faire la différence entre son travail et ce qu'il y a en dehors, mais avoir un comportement qui doit être toujours ouvert envers les autres et qui soit similaire finalement, quelle que soit la relation, qu'elle soit de travail, dans le travail ou en dehors du travail. Je pense qu'effectivement, pour aller vers la recherche de performance, l'entreprise doit se servir du sport de haut niveau parce que le sportif de haut niveau, depuis le début de sa formation, il est à la recherche de la performance sans arrêt. C'est son quotidien et ça peut toujours être un très bon point pour une entreprise d'aller chercher vers le sport une autre richesse dans le travail, dans la façon d'être. Et puis voilà, le sportif, il veut toujours gagner. Il déteste perdre, il veut toujours être dans la perf et réussir mieux que les autres. Ça, dans une entreprise, ça peut être que bénéfique.